Salutations mes amis. C'est une carte de l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord a été couverte par une calotte glaciaire pendant la majeure partie de la dernière période glaciaire et à de nombreuses reprises auparavant, dont l'héritage peut être vu dans la couverture étendue des Drumlin dans les comtés de Fermanagh, Armagh et Antrim, en particulier Down. La pièce maîtresse de la géographie de l'Irlande du Nord est le Lough Neagh, à 151 miles carrés, le plus grand lac d'eau douce de l'île d'Irlande et des îles britanniques. Un deuxième système lacustre étendu est centré sur le Lower et le Upper Lough Erne à Fermanagh. La plus grande île d'Irlande du Nord est Rathlin, au large de la côte nord d'Antrim. Strangford Lough est la plus grande crique des îles britanniques, couvrant 150 km². Il y a d'importantes hautes terres dans les montagnes Sperrin avec de vastes gisements d'or. Des montagnes granitiques de Mourne et du basalte du plateau d'Antrim, ainsi que de plus petites chaînes dans le sud d'Armagh et le long de la frontière Fermanagh-Tyrone. Aucune des deux collines n'est particulièrement haute, avec Slieve Donar dans les spectaculaires Mourne atteignant 850 mètres, le point culminant de l'Irlande du Nord. Le sommet le plus important de Belfast est Cavill. Ne manquez pas non plus la chaussée des géants dans le comté d'Antrim. L'activité volcanique qui a créé les plateaux d'Antrim a également formé les piliers géométriques de la chaussée des géants sur la côte nord d'Antrim. Également dans le nord d'Antrim se trouve le pont de corde de Carrick Arred, le temple Mussenden et les glens d'Antrim. Les grottes de Marble Arch sont jolies aussi. En outre, la rivière Ban inférieure et supérieure, la rivière Foyle et la rivière Blackwater forment de vastes basses terres fertiles. Avec d'excellentes terres arables également trouvées au nord et à l'est de Down, bien qu'une grande partie de la région des hautes terres soit marginale et adaptée en grande partie aux animaux. Agriculture. La vallée de la rivière Leggan est dominée par Belfast, dont la zone métropolitaine comprend plus d'un tiers de la population d'Irlande du Nord. Avec une forte urbanisation et industrialisation le long de la vallée de Leggan et des deux rives du Belfast Lough. C'est tout pour le moment. S'il vous plaît, commentez et abonnez-vous pour les meilleures cartes. Adieu.